Premiers objets que j'ai modélisés en 3D. Donc j'ai fait des pièces d'échecs. Voilà. Donc il faut savoir que dans les années 80, il n'y avait que deux sociétés en France qui faisaient de l'image de synthèse. C'était deux sociétés qui appartenaient à des grands groupes qui travaillaient essentiellement pour l'armement et le militaire. Donc il y avait Thomson et Sogitech. Voilà, donc c'était juste là où on débutait l'image de. Voilà, donc en 89, la Sogitech et Thomson décident de réunir leurs deux équipes avec la participation de l'INA. Et ça donne la naissance à une société qui s'appelait Ex Machina, parce qu'elle n'existe plus. Et Ex Machina, dans les années 90, sera le leader européen de la création numérique. Voilà. Et donc, il y a deux photos où je suis là, où à l'époque, on travaillait essentiellement sur des silicones graphiques. C'est-à-dire que le PC n'était pas encore présent, c'était des silicones graphiques. Et comme on avait des outils qui étaient, je dirais, un peu pas super évolués, donc c'est pour ça qu'on a des grosses boîtes avec des boutons et tout. Voilà. Donc moi, pendant toute cette première période, je vais m'occuper de tout ce qui est lié à la production d'images de synthèse. Non seulement je vais faire de la modélisation, mais je veux aussi enregistrer les images, m'occuper des sauvegardes. Voilà. Donc, j'ai travaillé sur plein de secteurs d'activité, la publicité, les effets spéciaux au cinéma et les films de divertissement pour les parcs d'attractions. Donc, en 2002, Ex Machina, après des difficultés financières, sera placé en redressement judiciaire. Et pour moi, ça va marquer le début d'une nouvelle aventure parce que ça sera la création de Naïade. Donc, voilà, en 2003, j'ai quitté la région parisienne. Et avec la collaboration de mon épouse, on a monté cette notre petite société d'images de synthèse qui s'appelle Naïade. Voilà. Et notre société, elle est basée à Angoulême. Angoulême, c'est une ville d'images. C'est là où il y a le fameux festival de la bande dessinée. Et dans cette ville, ils ont développé tout un secteur pôle images. Et c'est pour ça qu'on est là-bas. Et donc, notre activité, elle est principalement orientée sur les secteurs de divertissement et des parcs d'attractions. Voilà, un petit clip de présentation sur à peu près tous les secteurs sur lesquels on touche. Certains de ces films sont visibles en 3D, dans la salle à côté. Voilà typiquement aussi des effets spéciaux qu'on a fait pour le cinéma. Voilà par exemple, le renne est filmé tout seul, les loups sont filmés séparément. Et une fois le plan composé, voilà le résultat. Quelques simulations architecturales. Donc là, on est en Angoulême, là, c'est dans Angoulême. Voilà. La Charente et un secteur d'Angoulême. On travaille aussi sur des films institutionnels. Et ça, je vous montrerai à la fin, on travaille aussi sur des spectacles multimédia où on projette des images sur des éléments architecturaux et autrement au milieu, par exemple, là, c'est un écran d'eau. Voilà, un petit détour par les démos techniques pour. Et aussi, on fait de la vulgarisation scientifique. Là, par exemple, on est dans les intestins, dans une artère.
Voilà. Donc, je suis là un peu pour vous parler du film dans le divertissement. Donc, la 3D au service du divertissement, de la muséographie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le numérique est arrivé dans les maisons. Il y a de plus en plus de choses auxquelles on a accès à la maison. Donc, lorsqu'on fait des films pour un parc, il faut aller encore un peu plus loin pour apporter d'autres sensations. Mais si on revient en gros sur le film Relief, parce qu'on a tous l'impression que la 3D, ça vient d'être découvert, mais la 3D date quand même du 18e siècle, où à l'époque, les photographies étaient faites en 3D. En haut à droite, on voit une image du commandant Charcot lors d'une de ses expéditions dans l'Antarctique en 1905. Voilà. Donc, avant l'arrivée du numérique, il y a eu quelques tentatives qui ont été faites pour le long métrage, mais c'était très compliqué à mettre en œuvre la diffusion, parce qu'il fallait qu'il y ait deux projecteurs 35 mm, il fallait arriver à les synchroniser, donc ça a été un peu un fiasco. Parce que vous le savez tous, lorsque la 3D elle est mal réglée, bah, on ne voit rien, ça fait mal à la tête. Mais bon, par exemple, Jack Arnold, en 1954, il avait fait l'étrange créature du lac Noir. Il faut savoir aussi que Hitchcock a fait Le crime était presque parfait aussi en 3D en 54. Voilà. Et donc, il y a eu dans les années 80, la 3D elle était essentiellement diffusée dans les parcs d'attractions. Parce que comme c'était une technique compliquée à mettre en œuvre, donc eux, quand ils réglaient leur attraction, ça durait un an, deux ans, alors que dans une salle de cinéma, on est obligé de se renouveler plus souvent. Et on sait tous que ce qui a un peu démocratisé la 3D, c'est quand même le film de James Cameron, Avatar, et donc ça a donné un élan à la 3D suite à ce film. Alors, moi qui travaille que pour des petits parcs d'attractions ou des musées, eux, ça leur a fait un peu peur. Quand ils ont vu la 3D qui est arrivée dans les cinémas, ils se sont dit, ça y est, nous, on n'a plus un avantage avec nos salles. Mais ils se sont très vite rendus compte que l'effet de jaillissement que nous, on travaille pour leur média est autrement plus important que ce qui se fait au cinéma. On a vraiment un gros jaillissement. Si vous venez voir dans la salle là-bas, vous verrez que vous pouvez presque toucher les objets. Voilà, donc la 3D, nous on l'utilise dans tout ce qui est salle équipée 5D, on va voir tout à l'heure un petit film, et on l'utilise aussi dans la muséographie. Dans la muséographie, l'avantage qu'elle a, la 3D, c'est que lorsqu'on rentre dans des univers inconnus, cette troisième dimension nous permet d'appréhender un peu mieux les volumes et les formes des objets que l'on montre. On a vraiment une meilleure analyse. Voilà, là je vais vous montrer un petit parc. Il y a un petit parc en France qui s'appelle la Récré des Trois Curés. Demandez-moi pas pourquoi, je ne sais pas. Qui est en Bretagne et où il y a deux de nos films qui sont diffusés. Et donc sur des systèmes avec des sièges mobiles et avec des effets, ce qu'on appelle des effets 5D. Alors au moment où les rats passent, il y a des lanières qui gigotent au niveau des chevilles, et donc c'est pour ça que... Voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter notre dernière production, qui était un film de commande pour un parc d'attractions qui s'appelle Dinozoo. C'est dans l'est de la France, à côté de Besançon. Le client nous a fourni un synopsis de 2 pages où on raconte l'histoire d'un des premiers, notre ancêtre, l'un des premiers mammifères qui vivait à la même époque que les dinosaures. Voilà.
Et donc, à la fois dans la mise en scène, on essaie de reprendre tous les bons effets qui marchent bien dans les cinémas 5D. Voilà un petit trailer du film. Le film a été, pour faire le film, on a mis 10 mois. 10 mois, on était à 6 personnes et la commande était passée en octobre et on a livré fin mai. Ce film, donc, il est actuellement diffusé à Dinozo depuis sa sortie en juillet 2016 et il commence à rencontrer un bon succès parce que le film, on l'a fait pour un parc, mais en même temps, pour essayer de l'amortir un peu plus, on le loue à d'autres parcs. Et là, à partir du mois de mars, là, il sera diffusé aussi à Vulcania sur un grand écran. Là, je vais vous montrer un petit peu les coulisses du film, parce que souvent les gens se rendent pas compte du temps de travail. Bon, voici nos locaux. Hein, C'est mon bureau, ça. Donc, beaucoup de recherches d'informations sur Internet. Et voilà, et donc là, par exemple, le T-Rex, où on va venir placer tout un squelette et on va même mettre des muscles à l'intérieur de façon à gérer l'enveloppe et qu'on sente les mouvements des muscles. Voilà. Donc ça, c'est un peu toute la mécanique et ça, c'est très très long. Ça, c'est la modélisation sur ZBrush. Donc vous avez en haut à gauche, vous aviez les tests et on a beaucoup travaillé, on a beaucoup analysé le film qui s'appelait Walking with Dinosaur parce que c'était vraiment une source d'inspiration sur pas mal de choses. Donc voilà, en haut à gauche, les premières animatiques du film et les images définitives du film à droite. Alors il faut savoir que tous les réglages de la 3D, on les fait dès l'animatique. Hein. Dès l'animatique, on travaille nos écarts d'œil, on regarde tout. Donc voilà, donc, certaines images ont demandé plus de 30 minutes de calcul parce qu'on n'a pas une grosse... render farm, on a calculé le film sur 6 mois. On a commencé à le calculer fin décembre pour certaines séquences, les dernières séquences juste à la fin. Là, c'est Pascal, notre musicien, qui vraiment nous compose des musiques vraiment sur les images. Oui, il y avait un paléontologue qui surveillait notre travail et qui nous a fait faire des modifications sur les dinosaures. Et voilà, ça, on a un écran 3D et là, on vérifie tout à chaque fois dessus, toutes les séquences en direct. La suite. Voilà, donc Nayad, depuis sa création en 2003, a travaillé sur un certain nombre de films 3D. Donc C'est Salines, c'est un film qui était diffusé au Baléares, qui montre la faune sous-marine,
Océan sous pression, c'est un film qui mélange de l'image réelle et de l'image de synthèse. Et c'était avec la collaboration de Jean-Michel Cousteau. Sauvegardons notre planète, qui est un film qui est un peu sur le... Ça marche là, oui. Après, Promenade digestive, qui est un film sur comment notre intestin il digère tout ce qu'on avale. Jour de miel, qui est un film sur les abeilles, dont on voit notre petite mascotte en haut à droite, qui est mélange de l'image réelle et de l'image de synthèse. Voilà, donc il y en a tout un certain nombre, et ça termine par Le Monde de Théno. Juste pour revenir, des films relief, j'en fais depuis 1992, parce qu'à Ex Machina, on a commencé à travailler sur des films relief, et la première expérience, c'était sur un IMAX relief. Voilà. Et donc là, je voulais vous montrer ça aussi, parce que Nayat travaille aussi sur des spectacles multimédia, avec des projections d'images. Et donc là, c'est essentiellement des spectacles qui ont eu lieu en Chine ou à Singapour. Et je vous montre un petit film qui présente ce travail. Donc là, ils ont construit une montagne artificielle qui devait faire à peu près 70 mètres de large, 30 mètres de haut, et nous, on a fait tout le mapping qui va dessus. Et les images étaient projetées en frontal par 6 projecteurs vidéo. Et ce que vous voyez au milieu, c'est sur un écran d'eau, c'est en rétroprojection sur un écran d'eau. Le spectacle est joué tous les soirs et dure à peu près 45 minutes. Alors, ce spectacle, pour nous, ça, c'était un an de travail en amont, de façon à préparer tous les personnages, tous les animés et tout préparer. On a d'abord travaillé à partir d'une maquette de la montagne. Après, quand la montagne a été faite, on nous a donné un scan de la montagne. Ça nous a permis de régler toutes nos projections dessus. Et après, donc, on a travaillé un an en amont dessus, et après, on est allé un mois sur site, de façon à travailler toutes les transitions et tout régler. Ce qui est compliqué dans ce genre de spectacle, comme il y a de la lumière, il y a des lasers, il y a tout, il faut savoir que
si on met de la lumière pour éclairer les danseurs, eh bien, ça efface l'image. Enfin, il y a tout un bon équilibre à trouver. Voilà. J'ai terminé ma petite présentation. Merci Yannick. Donc, est-ce que vous avez des questions pour Yannick ? Alors, il faut savoir que nous, en France, on travaille un peu comme le cinéma, on travaille avec des intermittents du spectacle. C'est-à-dire que je peux très facilement gonfler mon nombre d'employés ou la diminuer. Alors, bon, c'est vrai que j'ai avec moi, depuis le début, 4 personnes qui sont pratiquement tout le temps là et qui permettent d'avoir, mais autrement, si on a plus de travail à un moment donné, on peut monter à 10, 15. Et ça aussi, c'est pratique parce que, comme dans l'animation, il y a besoin de plein de talents. On n'a pas besoin de la même personne pour faire du rendu, de l'éclairage, ou notamment pour faire de l'animation. C'est vraiment un métier bien spécifique. Et donc, ça permet justement de prendre des gens à certains moments pour une tâche et à d'autres pour un autre moment. Mais c'est une volonté de rester une petite structure parce que après qu'est-ce qu'on si c'est trop grand après je vais faire quoi? Je vais gérer des tableurs et des tableaux Excel? Non. Oui. Non, on peut pas parler comme ça de 2 minutes, parce que c'est suivant ce qu'on va faire. Par exemple, là, le film sur les dinosaures, il y avait, il y avait 5 variétés de dinosaures, il y a des paysages différents à faire, il y avait tout. Ce film, le prix de revient de ce film, c'est 200 000 euros pour les 10 minutes. Mais après, tout dépend, c'est si vous êtes juste avec des objets. Ce qui est compliqué à faire en image de synthèse, c'est tous les effets spéciaux, tous les effets atmosphériques, même les personnages à faire bouger, c'est compliqué pour arriver. Mais après, je ne sais pas, si j'anime un train, ça va aller plus vite. Donc on ne peut pas donner vraiment de tarifs à la minute. Voilà, tout dépend de la complexité. Parce qu'en fin de compte, c'est le temps passé dessus. D'autres questions? Je vous invite à passer sur le stand de... Oui, moi aussi, oui, je vous invite à passer à côté sur le stand, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils viennent sur le stand, ils disent « Ah ouais, mais la 3D au cinéma, c'est pas comme ça. Est-ce que vous avez des techniques spéciales pour faire arriver les choses devant ?» Non, ce sont les mêmes techniques. Sauf que nous, on les utilise d'une manière où on essaie d'avoir un fort jaillissement. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir toucher les choses. Bon, alors Yannick, il y a une question là, qui apparaît à l'écran. Est-ce une volonté artistique de faire de la 3D plus orientée DA que réaliste ou un souci de coût de rendu? Qu'est-ce qu'on appelle orientée DA? Qu'est-ce que c'est que la DA? Moi, je ne sais pas. Hein? Dessin animé. Pardon. Alors bon, aujourd'hui, moi il y a des films que je fais où quand j'ai besoin de prise de vue réelle, je ne veux pas m'amuser à la refaire en image de synthèse parce que ça va demander beaucoup de temps. Il y a des films sur lesquels j'ai de la prise de vue réelle, et bien on va les filmer réellement de la prise de vue réelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si en synthèse on veut arriver à quelque chose de très réaliste, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Très bien. Bon, en tout cas, Yannick, merci. Je pense que ça va être la fin de la conférence. N'hésitez pas à passer sur le stand de Yannick et Nadia et faire un test. Je vous remercie.